Le premier qui nous a rejoint, c'est Cyril Bayala qui vient de Lens. Donc, un joueur de côté qui va beaucoup nous apporter. Voilà, donc Cyril est aussi international burkinabé. Donc voilà, on compte sur lui pour nous amener toute son expérience pour dynamiser notre attaque. Voilà, et puis à gauche, c'est Mohamed Sissoko que je ne présente pas, donc ce serait trop long. Donc voilà, c'est un joueur expérimenté, voilà, que j'ai fait venir aussi pour son expérience, parce qu'on a une équipe jeune. Voilà, c'est deux joueurs importants. Voilà, et j'espère et je ne doute pas qu'ils vont nous apporter toute leur détermination, leur envie de gagner et surtout leur expérience parce qu'on en a besoin. C'est d'abord un plaisir de venir à Sochaux, c'est un très grand club. Selon les échos et tout, c'est que du bien que j'ai reçu de ce club, même si ces dernières années c'est un peu compliqué. Donc pour revenir à votre question, effectivement c'est un défi, c'est un challenge. Je sais que c'est un club mythique, un grand club. Voilà, beaucoup de joueurs sont passés ici. Un Burkinabé également, Mouni Dagano, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Donc c'est une bonne image, c'est une bonne impression que j'ai de ce club, même si, voilà, comme je le disais tantôt, c'est un peu difficile en ce moment. Mais voilà, il ne faut jamais abandonner et je suis là pour ça. Je pense qu'il avait besoin peut-être de plus de vitesse, plus de vivacité devant. Donc c'est un peu ça mes qualités. Donc je pense que c'est sur ça qu'il va s'appuyer pour les jours à venir. Dans un premier temps, je voulais remercier le FC Sochaux de m'avoir fait confiance, le coach Omar de m'avoir permis d'avoir cette opportunité-là. Et comment ça s'est fait? Simple conversation. Je pense que Omar m'a montré à quel point il voulait un joueur d'expérience. Maintenant, pour moi, c'est un énorme plaisir de travailler à ses côtés. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à relever le défi. J'ai des choses à prouver. Je suis très exigeant avec moi-même. Donc je viens ici avec beaucoup de motivation. Et je sais où je mets les pieds. J'ai énormément étudié l'équipe, l'environnement, la ville. Et pour moi, c'est une chose qui va être positive. Donc moi, je ne viens pas dans ce vestiaire-là en mode star. Je me fais tout petit, j'apprends, j'observe. Et à travers mes prestations, ils verront qu'ils pourront compter sur moi et moi compter sur eux.